Je m'appelle Tim Carstairs, je suis de nationalité britannique, j'ai 53 ans et je suis responsable de la communication et des relations extérieures à l'appel de Genève, Geneva Call en anglais. Eh bien, en fait, j'ai une formation de langue, donc en fait, j'ai fait le français. Et l'allemand à l'université. Donc à l'époque, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Je pense que c'est comme beaucoup de gens. Donc je me suis concentré sur ce que j'aimais et sur ce qui me plaisait, ce que je faisais assez bien. Bien, je travaille sur la communication de l'appel de Genève. Donc, ça, c'est aussi bien les publications, le site web, des déclarations, des choses qu'on fait auprès des médias, éventuellement des événements, des conférences, tout ça. Je m'occupe également donc de nous représenter auprès de nos bailleurs de fonds, donc la récolte de fonds en fait, ce qui est très nécessaire pour les ONG. Donc je vais les voir, je les contacte par téléphone, je fais des prospections parfois donc de bailleurs de fonds éventuels, donc des prospects, des gens qui ne nous connaissent pas. J'essaie de cibler au mieux notre travail, notre force par rapport aux intérêts des différentes fondations, gouvernements et d'autres sponsors. Donc j'écris beaucoup on appelle ça des propositions de financement ou des demandes de financement. Geneva Call, l'appel de Genève, on se concentre sur les groupes armés non étatiques, c'est-à-dire les groupes rebelles, les groupes armés qui ont, enfin, les groupes qui ont pris les armes contre leur État pour une raison X. Là, on ne rentre pas en matière, mais ce que nous essayons de faire, c'est de rentrer en dialogue donc avec ces groupes afin de leur expliquer leurs obligations vis-à-vis du droit international, des droits de l'homme, pour qu'ils respectent donc les enfants, qu'ils ne recrutent pas les enfants, qu'ils n'utilisent pas les mines, par exemple, pendant les conflits, et pour qu'ils ne pratiquent pas les violences sexuelles, notamment contre les femmes et les jeunes filles, ce qui est malheureusement souvent le cas lors des conflits armés. Et donc, il y a différents bailleurs de fonds qui s'intéressent à peut-être à tout ou à une partie de ce qu'on fait. Donc j'essaie donc de cibler nos demandes par rapport à ce qui pourrait nous intéresser. J'ai toujours voulu faire quelque chose d'utile, quelque chose qui va au-delà de moi-même et de mes intérêts personnels, matériels, etc. En fait, j'ai commencé il y a assez longtemps maintenant dans le domaine des mines antipersonnelles. Un de mes enfants étant cambodgien, j'ai voulu faire quelque chose, étant donné que j'avais la possibilité de le faire, pour faire en sorte que un jour, quand il voudra retourner au pays, qu'il ne court pas le risque de sauter sur une mine. Donc ça, c'était à la base l'idée. Quand j'ai découvert qu'il y avait des lois et un droit international qui interdisait ce genre de pratique, donc l'utilisation d'armes qui causaient des maux superflus, on dit ça dans le droit international, ça m'a intrigué, ça m'a inspiré aussi pour pouvoir faire quelque chose. Donc j'ai travaillé très longtemps dans le domaine des mines. Il y a un an à peu près, j'ai rejoint Geneva Call, l'appel de Genève. Pour l'appel de fonds, bon, c'est une méthodologie comme d'autres, donc une fois qu'on sait à peu près comment ça fonctionne, ce n'est pas si difficile que ça, mais il faut de la persévérance et il faut un peu de créativité aussi.
pour pouvoir justement trouver les ficelles qu'il faut tirer pour arriver à quelque chose. En termes de communication, je pense c'est surtout qu'il faut savoir s'exprimer et il faut souvent pouvoir penser un peu plus largement, voir qu'est-ce qui peut intéresser les gens et comment est-ce qu'on peut traduire notre message pour que les gens puissent y accéder facilement. De nos jours, les gens n'ont pas beaucoup de temps, donc il ne s'agit pas d'écrire des livres entiers. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des côtés négatifs. C'est beaucoup de travail et je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas trop prendre sur soi, à ne pas penser que le monde entier reste sur nos épaules. Je pense que ça, ce serait dangereux. Donc, je pense qu'il faut quand même garder un équilibre personnel par rapport au travail. Dans le travail humanitaire, on peut avoir tendance à vouloir surtravailler. Et je crois que ça, il faut faire attention parce que quand on veut courir un marathon, on ne commence pas trop rapidement. Hein. Il faut aller doucement. En termes de côté positif, bon, il y a beaucoup de positifs, bien sûr. Je pense que la satisfaction de faire un bon travail et d'aider mes collègues, enfin de permettre à mes collègues de faire leur travail, c'est l'essentiel pour moi. Je travaille actuellement avec des collègues sur une série de modules de formation. Justement pour amener le droit international en ce qui concerne les femmes, la protection des femmes, la protection des enfants, la problématique des armes, surtout les armes qui sont interdites, et d'amener ces problématiques auprès des groupes armés, mais de façon structurée, de façon à ce que le leadership de ces organisations, de ces groupes, puissent vraiment apprendre quelles sont leurs obligations. Donc, ça, c'est vraiment important, parce que souvent, ce sont les gens, ils prennent les armes pour une raison X, mais ils ne savent pas forcément qu'ils ont, dès ce moment-là, ils ont des obligations vis-à-vis des civils. Et ça, c'est très, très important. Donc, je trouve que ce travail-là, enfin, ça m'affecte beaucoup. Parce que je suis en plein dedans et ça demande beaucoup de mon temps, puisque je suis chargé de ce projet. Mais en même temps, je pense que les résultats pourraient être vraiment très importants. Ce n'est pas pour rien que l'appel de Genève, ou Geneva Call, s'appelle comme ça. Évidemment, on est basé ici, mais l'unicité, la particularité de l'appel de Genève, c'est que nous avons créé ce qu'on appelle des actes d'engagement. Alors l'intérêt d'être à Genève, c'est que ces actes d'engagement sont signés à Genève, dans la salle Alabama, là où ont été signées les conventions enfin, les premières conventions de Genève. Et donc les groupes armés, quand ils viennent à Genève pour signer ces actes d'engagement, avec ce côté institutionnel, enfin, c'est très formel, ça ne leur donne pas envie ensuite d'aller abuser les obligations qu'ils ont prises. Et c'est effectivement ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils le prennent au sérieux. Donc, la Genève internationale, ou Genève, ça donne un sérieux à notre travail. Allez-y. Hein? Non, il faut choisir ce qui nous intéresse vraiment. Il ne faut pas penser trop. Enfin, il ne faut pas voir ça de façon trop romantique, hein, parce que ça ne l'est pas. Hein?
Et c'est vraiment, c'est un travail. C'est un travail, effectivement, où on peut aider les gens, les autres, et souvent ceux qui sont peut-être en moins bon état que nous. N'empêche que c'est un vrai travail, souvent avec des risques, surtout si vous allez à l'étranger, enfin, sur le terrain. Je pense qu'il faut. Faut avoir une certaine résilience, on dit en anglais, resilience. Je pense pas que ce soit fait pour tout le monde, surtout d'aller sur le terrain, mais donc il faut réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on veut faire. Mais il y a aussi énormément de possibilités dans les sièges. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas choisi de travailler sur le terrain, ou pas beaucoup. Par contre, je peux exercer mon métier au siège, et donc il y a de la place pour tout le monde, en quelque sorte.